Mais c'est pas croyable! Est-ce qu'un jour j'atterrirai en sachant où je me trouve? Jetons un œil au scanner. Oh non! Pas encore de la neige et des montagnes! J'en ai eu ma dose! J'en ai vraiment marre, tu sais? Et c'est reparti. Qu'est-ce que c'est encore cette fois-ci? Un appel de détresse? Attends voir une minute. Tu essaierais pas de me caser par hasard, hein? Ouais, c'est ça. Bon, je vais aller me changer alors. Car comme j'ai pu comprendre, on n'est pas décidé à m'amener sur la plage de Peladon. Par les lunes, je vous salue. Iraxa, mon impératrice, ma reine. Ma sentinelle, tu as honoré ta promesse. Je suis revenu à la vie. Pardonnez-moi, Majesté. Nous avons dormi beaucoup plus longtemps que prévu. D'après mes calculs, Votre Majesté, il se trouve que nous sommes restés endormis pendant 5000 années. Nous avons dormi 5000 années ? Cela prendra certainement du temps pour ranimer tous mes guerriers. Mais il y a peut-être assez de guerriers réveillés pour passer à l'offensive. Ah, c'est pas pour rien si j'aime pas le froid. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, le même appel de détresse. Alors, soit c'est très grave et on a immédiatement besoin de mon aide, ou alors... c'est un piège et je fonce tout droit dedans. Mais bon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, hein. Qu'est-ce que j'aime pas ces endroits? Oh, ah, encore? Mais qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? Ça doit vraiment être grave, c'est pas possible. Ça m'a l'air d'être par là. Ouais. Enfin, j'espère juste que c'est pas un piège. Je l'espère. Bon, ben je vais écouter ce que tu me dis. Et puis on verra bien où ça va nous amener. Hein. Allez,
Allez, docteur, c'est parti. C'est étrange. J'ai l'impression d'entendre des personnes discuter. Ouais, je crois. Ah, dans tous les cas... Hein, quoi? Pourquoi il arrive pas? D'accord. Bon, je vais devoir me débrouiller tout seul. Alors, d'après ce que je pense, je dirais que ça vient de... Là, de la droite. Allez. Oh là, je n'aime pas ce que j'entends. Ouh. J'espère vraiment qu'ils m'ont pas vu. Mais qu'est-ce que les guerriers de glace pourraient faire d'une planète cryogénisée? Ça n'a pas de sens. Oh non, 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 il faut vraiment que je parte d'ici. Et de la manière la plus discrète possible. Oh, vitesse, ces grottes, magnifique travail, hein. Franchement, spectaculaire. Hein. C'est vous qui avez construit hein. Ouais. Votre acte était imprudent. Merci quand même pour m'avoir accueilli chez vous. Merci encore. Ciao, ciao, je vais vous laisser à vos occupations. Pas très sympathique. Où est la sortie? C'est génial. Comme d'habitude, je me retrouve toujours dans les situations les plus critiques possibles. Allez. Normalement, il devrait rester bloqué pendant au moins 10-15 minutes. Je devrais avoir largement le temps de retourner au TARDIS. Oh non, pas ça. Oh non. Oh mais c'est pas croyable. Où est-ce qu'elle est passée maintenant? Oh mon Dieu, ils arrivent. Salut! Je faisais mon petit footing du jour. Je courais pas du tout pour m'enfuir, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Juste que j'ai besoin d'un peu maigrir. C'est pas crédible, ça. C'est pas crédible du tout là. Bon, bah, je vais vous suivre. En plus, j'ai pas le temps de tout visiter. Ça va être génial. Ouais, génial. Non, c'est pas possible, t'étais mort. Lâchez-moi. Ils vont tous mourir. Comme un crapaud. Non. Maître, revenez ici tout de suite.